Tu tout pays et toute société. Longtemps, nous avons dit, plutôt nous l'aide nous là. Moun nan provincio, de ki choy, yo kapab fè pou yo viv. Mais je dis à misère, l'atteint au niveau, côté même politicien, yo, député, sénateur, président, yo, ministre, yo tout dit, c'est faute. Mais nous même tout n'ap dit, je dis à c'est faute, nous tout. Parce que nous devons bataille à côté peuple là, pour nous permettre li gon vie meilleure jodia. Ville pas changé et via une plus difficile pour lui. Dans le discours que nous avons toujours gagné, nous dit faut changer le monde qui a fait politique dans le pays. Mais là, nous avons changé là, nous avons créé espace pour nous joindre l'autre monde pour venir parler de politique. Nous ne sommes pas jeunes. Nous pas voulu venir. Vous ne voulez pas prendre engagement. Mais vous toujours là pour critiquer députés, sénateurs, magistrats, présidents. Mais vous pas jamais voulu mettre pied dans l'arène. Pour aider à changer le pays. Donc, nous lançons encore un appel à jeunes qui veulent faire politique, qui sont à l'université, pour venir parler avec nous. Mais nous toujours critiquer. Et puis nous disons, attendez, nous sommes gars, toujours venir avec les mêmes politiciens. Mais à qui est-ce que vous voulez venir, puisque c'est eux qui ont dirigé. L'on change, on m'a vu d'avoir, mais pour le moment, c'est yon gen. Mais l'on a critiqué, nous toujours tendez ou dit, Sylvain Benoît, c'est un homme de dossier, un sénateur respecté, respectable. Nous avons fait confiance. Nous toujours tendez ou dit, Joe Lambert est un animal politique, c'est quelqu'un qui a traversé l'histoire de ce pays, qui a fait beaucoup de choses dans ce pays. Eh bien, je vous dis à son façon, vous me dites nous. Pour la première fois, moi gagné Walter, Sylvain Benoît, et moi gagné président Sénat Joe Lambert. Nous pourrons parler pays, puisque à gauche, gagné peine, et à droite, gagné sécurité civile. Mais tous deux ont fait politique, et tous deux disent que vous avez aimé changer le pays. Ça. Allons voir dans leur discours, ça a compté pour nous aujourd'hui de manière calme. Nous avons nous été comme si sereinement en suivre, jambes chapenter débat pour nous comprendre. Monsieur Tanamita, je vais parler avec vous. Et puis après, nous avons distingué l'art des nuances. Parce qu'en fait, il y a deux mondes qui étaient manqués président. Joe Lambert manqué président avant là. Et Sylvain Benoît, s'il t'a l'élection, il t'a pris l'élection, il t'a pris président. Et tout le monde compte ça. Mais Joe Lambert toujours en liste pour devenir président provisoire. Mais Sylvain lui-même, il dit pour un candidat au Sénat. C'est ça que tu dit là. Donc, ça veut dire un gars un futur président, un futur sénateur. Ça veut dire qu'il même qui placé pour dire nous la vérité aujourd'hui. Comme j'avais présenté tout d'abord Sylvain Benoît, vous avez fait exprès, au lieu de présenter le président de l'Assemblée nationale, disons du Sénat de la République, c'est un honneur pour moi de donner la parole au président du Sénat de la République, Joseph Lambert. Président, bonsoir, quel plaisir de vous recevoir aujourd'hui à l'émission Haïti Débat. Merci, merci Gary. C'est un honneur d'être avec toi aujourd'hui. Je dis bien toi, parce que surtout et avant tout, tu es un ami. Et d'avoir aussi à cette tribune l'honorable sénateur Sylvain Benoît. Quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime et d'admiration. C'est un homme qui jouit d'une très bonne réputation dans le monde politique là, que j'ai eu chance côtoyer, et ceci pendant des années, à la fois comme député, quand il était député, et je l'ai suivi de loin, aussi comme sénateur. Alors j'étais encore conseiller du président
Martelly et ministre conseiller à l'ambassade d'Haïti en République dominicaine. Je dis à c'est une occasion pour que je gagne un scoop. D'abord, il faut que je dise c'est un scoop que mieux. Et gagner comme animateur ou bien comme modérateur, ou bien comme présentateur. Il y a trois personnes qui ont toujours pris plaisir d'entendre dans ce scoop et qui fait toute réputation scoop. C'est vous-même comme Enea, Eval et puis Kapan. Marco n'est pas en Haïti, Marco est à l'étranger. Je profite d'ailleurs pour saluer Marco. Je dis assez dans ce scoop, Marco est venu dans ce scoop. Pour le plaisir de venir dans ce scoop. Nous venons dans ce scoop parce que nous avons nécessité, je dirais même historique, pour que nous dans ce scoop, je dis. Nous dans ce scoop parce que. Il faut que nous communiquions. Il y a une nécessité de communiquer. Il faut parler à cette population. Il faut parler aux gens. Il faut qu'on y comprenne. Et ça fait que je suis content que c'est Steven Benoît qui l'a. Parce que dans ce pays, il y a ce qu'on appelle une sécheresse d'idées et d'imagination qui fait que parfois les invectives prennent le pas sur les perspectives. Et c'est sécheresse d'idées et d'imagination ça qui fait que parfois t'as comme dit, invective, yo prend pas sous perspective. Yo. Et qui mandé, et qui exige au même, qui fait obligation pour que à chaque fois on peut expliquer. Pays a vini ou bagaille à chaque fois, faut qu'on explique. Faut qu'on dit. Faut qu'on culture politique qui fait que. Moun ki nan société a capable gagner une bonne compréhension de différents paramètres politiques qui capable sous table à un moment donné et la dynamique politique qui capable faire que bouger paramètres yo pour replacer yo dans position pour placer yo pour faire mayonnaise. Très bien. Steven Benoît, à quel niveau que nous-mêmes nous voyons aujourd'hui au niveau de la société civile, parce que nous connaissons un groupe, côté groupe là fait des réflexions et au grand accord, dans quel niveau nous parce que peut pas t'arrêter qu'on est. Bon, et bonsoir Gary, bonsoir à tout auditeur et téléspectateur ce groupe. Première différence, premier président, je me salue, je suis très content, ouais. Je parle vite, il parle doucement. Donc, excusez-moi, c'est déjà deux styles différents que nous parlons témoigner ça tout à l'heure. Alors, ceci étant dit, Val, mon lettre de blambou, ou invite à 1h10 ou émission 2h, ou explique que il y a péril dans la demeure, fait devoir me citoyen responsable, moi me répondre, ou pas vin avance parce que je suis dans la rue, je dis tout ça. Deux, je pas connais que je gen ou l'autre invité là. En général, pourquoi avoir gagné depuis 2005 après rencontrer dans l'émission. Oui, oui. C'est la première fois que je suis invité, mais ce n'est pas des moindres, c'est mon ancien président. Oui. Parce que quand même, j'étais sénateur et certains de mérité le président du Sénat après des députés même. Donc, c'est avec beaucoup de plaisir. Peut-être, Mathieu, c'est ici que Lambert, bon côté, me veut dire, parce que c'est pour une fois que nous avons ensemble. Et moi, contre Lambert, après d'être des candidats. L'espoir en 2005, Jacques Mel, c'est un peu plus de place en moi. Ah, ok, je m'arrête. Ok, d'accord. Ce n'est pas Val, c'est moi. Ah. Parce que j'ai convoqué le président hier. Je l'ai appelé au téléphone. Convoqué, où dit oui, il a bien dit. Convoqué. Il m'a convoqué. Convoqué. Donc, il m'a brûlé le téléphone. Et puis, il était avec Peupli. J'ai demandé à Val,
d'appeler Steven pour faire ce mariage. Et c'est moi qui ai voulu offrir au peuple haïtien ce mariage entre deux hommes dans eux-mêmes que me fait confiance pour montrer à l'histoire, pour changer le cours de l'histoire à travers les analyses, à travers les présentations, et puis vous montrer au peuple également que nous avons des hommes qui peuvent faire de la politique, qui peuvent aider à changer. J'assume. Ah, mais très bien. Mais merci. Président, pas trop court comme t'as fini? Non. Et bien, dans ce cas, on peut avancer facilement. D'accord, merci. Ok. Donc là, je suis heureux d'être là dans ce cas. Et de toute façon, je suis toujours heureux d'être là. Bien, oui. J'ai jamais été attaqué à Scoop. Il y a des gens qui n'ont pas la composition. Oui, bien sûr. D'ailleurs, nous sortons deux tweets jeudi à la côté de notre ami Ariel de démissionner, ouais. De jeter l'éponge pour Lili. Et puis, demander à CSPN si vous pas capable si cuisiner. Il y a trop chaleur dans la cuisine pour y aller à l'école, pour y aller à l'autre monde qui est capable. Parce que jeudi à la, on a eu. Par contre, président, sous le Sénat, je dis, on a eu affaire à une démonstration de force extraordinaire de gang, de cracher du feu. Et la police est puissante. Mais ce n'est pas que la police n'est pas bon, c'est que le leadership CSPN n'est pas bon. Moi, je vois. Je demande pour aller à l'école parce qu'ils ne sont pas capables. Moi, je vois un coup de fil d'employés qui étaient dans BNC, Banque Centrale. C'était couché ou couché à terre. Donc, il a brûlé ça, les nouvelles là, pour dire lancer appel pour la police qui est venue. Oui, on ne peut pas fonctionner comme ça. C'est dans le cadre de ça où est que moi, des fois, je me fais retrait, je me fais. Là, je suis obligé de mettre tout comme dans la rue. Pas possible, Benoît. Je pense que la population, il y a des gens qui font confiance pour parler pour eux. Maintenant, je me fais tout là, c'était pas de bon cœur. Mais je me dis, je ne suis pas capable là. Il y a mon capitaine pour me parler pour yo pour ça fait jodi en bas la ville là et puis là dedans c'est mon qui t'ai voté mais que yo pas de voter tout ce sont les haïtiens qui levé grand matin pour aller travailler et puis deux délinquants trois délinquants décider faire rouler à terre et manquer au dégâts. Donc moi me dit fuck moi djou bagay et gien mon cap gérer pays jodi a grand premier ministre grand CSPN donc ministre intérieur grand ministre justice grand chef police grand secrétaire d'état sécurité publique et gè des commissaires de police à travers tout le pays. Donc faut moun sa yo prend responsabilité yo au nom peuple là parce que pourquoi, c'est comme Tarsou qui paye. Mais pourquoi exiger le départ de Ariel? Non, pourquoi exiger? Est-ce que c'est à partir d'analyses faites sous base société civile là ou du moins parce que vous tirez matin? Non, Steven Benoît a toujours été clair. Le premier ministre a été nommé par le président de facto, Jovenel Moïse, père à son âme parce que maintenant m'ba nan violence comme ça. Mais même tout le monde qui planifie assassinat président, le monde qui fait, le monde qui baïkop, le monde qui planifie, il faut tout passer, reste vie au derrière barreau après jugement. Il faut que tout le monde soit en prison. Que le Colombien, que l'Haïtien, que les amis président, que l'homme d'affaires, que la femme d'affaires, que le monde qui est en opposition, pas de fléouel, que l'enquête là aboutit, que tout le monde sait de loin ou de près que tu es en crime, que en prison. Ceci étant dit, le 6 juillet, l'entente nationale pour une transition coupée fâchée, mais pour une transition de rupture en français, nous sortit une note qui clairement dit nous ne pas reconnaître Premier ministre Ariel Henry parce qu'il a été nommé président pour mourir, par un président de facto. Et nous-mêmes, nous campé derrière, parce que nous-mêmes, dans boussole, mon compte, ça, c'est la constitution de 1987, nous amendons, et ça que fait dans 2011, c'est un gargote, et nous continuons à dire 10 ans plus tard. Donc nous-mêmes, nous t'avons dit, nous-mêmes, nous ne pas reconnaître Ariel comme premier ministre, même je ne pas reconnaître Tiklo. Est-ce que ces positions sur l'état civil là? Non. Je suis là en tant que Steven Benoît, ancien sénateur de la République, porte-parole de l'entente nationale pour une transition de rupture. Est-ce que l'entente nationale a lui-même ses positions saliennes, le départ de Ariel? Ah oui, nous-mêmes, nous ne parlons pas reconnaître Ariel. Je suis le porte-parole de l'entente nationale, nous-mêmes, nous ne parlons pas reconnaître Ariel Henry comme premier ministre. Et est-ce que Le Pen ne reconnaît pas Ariel Henry également, monsieur le président Joseph Lambert? Je ne veux pas parler au nom du Pen. Je veux dire ça parce que moi-même, je veux parler au nom du Sénat de la République. Par contre, la résolution du Sénat qui a fait de moi président provisoire joint écho favorable au niveau du protocole d'entente nationale. Et protocole d'entente nationale là, reconnaître jusqu'à date un exécutif bicéphale tourné autour de Joseph Lambert. Comme président. Et tourné autour de Joseph Lambert et Ariel Henry, respectivement président et premier ministre.
Par contre, ça c'est une position personnelle. Monsieur Ariel Henry, je ne dis pas quoi que les fait pour aller tête baissée dans l'exécutif monocéphale. Je ne peux avoir, sous quelque prétexte que ce soit, de projet politique avec M. Ariel Henry dans un exécutif monocéphale. Mm-hmm. L'exécutif monocéphale en lui-même n'est pas constitutionnel. Je suis encore sénateur de la République. Et m'a fonctionné jusqu'à date avec ça qui est capable de permettre de fonctionner avec dans ça qui gagne dans la Constitution 1987 amendée. Amendée et non amendée, Steven. Clairement. Donc, autrement dit, la majorité s'est trompée depuis 10 ans, continue de se tromper, mais le sénateur Lambert conviendra avec moi que ce qui a été publié n'est pas ce qui a été voté au Parlement. Pas rien de tout ça, le sénateur Lambert admet-le, mais comme tu es une majorité qui. Bon, nous tenons un broglio politique. Je pense que c'est un temps qui peut-être beaucoup plus sage que moi lui-même. Il dit bon, on avance. Même on est même dans des passages, dans la question de principe de violation flagrante constitution. Même je reste et demeure derrière ma position initiale. Même j'aime te dire les juges à la Cour de cassation n'étaient pas nommés régulièrement, sauf deux, une campagne. Et je dis, je continue de dire ce qui a été fait au Parlement. Et j'ai attendu pas de président de ça, de toute façon, il n'y a pas de dirigeant de l'Assemblée nationale. Donc, blâme, non, pas mettre le souli. Je blâme les 6 membres du bureau de l'Assemblée nationale qui n'ont pas eu le courage de dire qu'il y avait mal donné, qu'il fallait absolument annuler les procédures pour les reprendre quelques jours ou quelques mois plus tard. Donc, je reprends ce que le président Lambert a dit. Ça veut dire Penn choisi comme président et Penn dans la logique yo il y a Ariel comme premier ministre. Premier désaccord. OK, d'accord. Maintenant qu'on y a et nous-mêmes dans le protocole là. Qui est-ce nous gagner dans tête nous? Est-ce que nous gagne monde? Ça veut dire d'aimer présenter schéma ça. Est-ce que dans schéma ça nous joindre président Lambert là-dedans? Alors, chaque temps parler de commission société civile là, il t'a préféré aboutir Steven comme signataire. Parce que je ne suis pas membre, il y a 13 membres, non, je ne suis pas porte-parole. Je ne suis pas porte-parole, je suis un simple signataire parmi 200 autres. Je crois dans Sam Sien. Et son document qui fait suite à document 5 juin que le sénateur n'avait pas signé, mais que un paquet signataire du PEN qui était signé et le 30 janvier et le 5 juin. Document ça, je vous dis son version améliorée de document 5 juin. Que dire Paul Tessien, opération Tête Ensemble, FND, MTV, en avant Haïti, en tête nationale pour une trace de rupture. C'est une amélioration de l'accord et tout à l'heure, on est en train de donner. Mais avant d'entrer en train de bon, signifier un premier désaccord respectueusement avec mon président. Okay. Le protocole d'accord, le protocole de tête nationale, d'ailleurs, il y a volé nous en tête nationale là, parce que tête nationale là, c'est. Oui. C'est groupe, oui. C'est un système, non? Pas un problème. Je suppose que c'est peut-être une reconnaissance de travail international à faire. Que oui, mais pour la part, il y a peine quand même. Oui, c'est protocole de tête nationale. Oui. Une confusion à dire tête nationale ou peut-être à penser, un pile monde pensait, par exemple, que nous-mêmes nous t'es signé. Mm-hmm. Parce que pas oublier, nous t'es le gouvernement de tête nationale le 5 juin, que nous t'es signé, et c'était avec beaucoup de joie, d'honneur, nous t'es adopté non nous, parce que nous-mêmes nous prenons une tête nationale. Oui. C'est pour ça que nous sommes noirs. Alors, premier désaccord, le PEN a été signé 2 jours après la mort ou l'assassinat du président Jovenel Moïse. Premier désaccord avec qui? Avec le document, avec le sénateur. Premier désaccord. Non, désaccord avec le document. Non, alors, je suis non, capable. Oui, capable. Oui, alors, si capable, oui, vous êtes capable de qui pour répondre. Parce que c'est une confusion qu'a fait là et ma PC éclaircit une fois pour tout. Gon protocole de tête nationale signé le 9 qui choisit le président Lambert comme président de la République de transition et Ariel Henry que même te dit sont de facto liés et me camper derrière jusqu'à présent. Gagner un volume de partis politiques qui signent. Nous-mêmes
nous pas d'avoir problème signal, même dit il faut être cohérent. Nous te dit nous pas connaître Ariel, on pas capable venir confirmer Ariel que pas connaître là. Donc attends. Donc si c'était pas Ariel, ça veut dire groupe pour là t'es capable de signer document maintenant. Il y a de fortes chances qu'on tape signer parce qu'il y avait péril dans la demeure. Il fallait absolument remplacer Claude Joseph qui était un premier ministre de facto qui voulait prendre d'assaut le palais national. Et nous-mêmes, à travers un consensus largement large, nous avons fait toute signature. Il y a un paquet de monde dès le 7 qui relève. Et nous avons dit SDP relève, c'est André Michel personnellement qui relève. Nous avons en ligne avec Nenel Kassim. Michel, nous avons dit. Et puis de notre côté, la DIPOD m'a appelé. Et on a fait 4 réunions, et non seulement conference call, appel conférence, et nous faisons Zoom, appel Zoom, de 4 ou 5 reprises. Et le 8, j'ai été invité par la société civile à une réunion, maintenant tous les deux. Mm-hmm. Maintenant, je suis dit, bon, on était dans le 9 juillet. Il y a un signal, d'accord? Nous ne sommes pas signal, mais nous ne sommes pas condamnés, nous ne sommes pas voyés bien, parce que c'est un pile monde qui est signal. Nous dit, bon, ok, si c'est ça, bien que moi, je ne suis pas dans le premier ministre, mais nous dit, ok. 2 jours, 3 jours plus tard, suspicion mieux révélé vrai. Ariel Henry n'est pas sérieux. Pourquoi? Petit A. Voilà quelqu'un qui a été nommé ministre par l'entité Unité, le parti politique Unité. Et après des désaccords avec le président Martelly, entité qui te mettait le ministre, dit monsieur, nous faisons retrait. On vous demande de laisser le ministère. Il a refusé. Premier coup bas de monsieur Henry. Attendez, je devrais pour reprendre ça. Unité? Unité, je ne suis pas porte-parole d'Unité, je ne suis pas membre du parti Unité. Unité, qui est-ce qui a dans Unité? J'ai fait campagne contre Unité en 2020. Qui est-ce qui est dans Unité? Qui est-ce qui est dans Unité? Ah non, je ne vais pas citer non. Les leaders de l'Unité sont connus, donc je ne vais pas citer non. Tout le pays a connu qui est-ce qui est dans Unité, je ne vais pas faire ça là. Je suis venu ici avec une idée positive. C'est positif, c'est good vibes, c'est une bail là. Maintenant, petit A, il trompait moun ki devoye yo. Petit B, gon groupe moun en pile parti politique, société civile qui signé accord là. Pi fort si je me trompe, c'est à cause de résolution Sénat, à cause de peut-être force de frappe. C'est Adrien Lambert, en pile parti politique pote bourré pour lui. Petit B, Ariel Henry a violé l'accord. L'accord tombe. Violation de l'accord veut dire le peine, première version, on vient la deuxième, non? Première version, peine protocole, là, tombe automatiquement parce qu'il y a eu violation de signataire et pas les moindres. Le président, c'est pas deux mounes, c'est pas pour deux mounes. Le premier ministre a violé l'accord. Comment? En acceptant sa nomination, entre guillemets, par tweet d'un groupe de syndicalistes internationaux. Nous parlons du corps groupe. Donc moi-même, le fait là, moi dis, voilà pour qui ça, que déjà je vais faire monsieur sa confiance, voilà quelqu'un qui est assoiffé de pouvoir, voilà quelqu'un qui n'a pas son mot d'homme d'État, parce que voilà, je ne sais pas combien d'entités, peut-être sénateur Lambert a dit nous combien d'entités, parce que j'avais copié du premier document, mais il y a un pile monde. Je ne parle pas de ça. Un pile monde de signal, et pour moi, malgré pas de signal, mais pour moi c'était un coup bas ou pas comme si on va à un monde parce que on est à blanc ou pas occupé monsieur et faut dire blanc écoutez ils ont centaine moi mettez le 100 bon, mettez d'abord fait mettez 50 plus que ça ok bon on dit une centaine de monde signal et puis ou fait fi de signature monde ça yo comme blanc ou prend pouvoir pour contre en violation de la constitution parce que de la constitution depuis l'année dernière mais un accord politique qui te joue, même si il n'est pas totalement inclusif, mais tu as assez de monde. Comme démocrate, m'accepte de gagner assez de monde, tu as une quantité assez importante d'hommes et de femmes d'État qui signent. Donc, petit bien ou trompé. Donc, moi-même, l'accord tombe. Automatique. Et c'est dans le cas ça, société civile a commencé à travailler depuis le mois de janvier, février, que moi rencontré en plusieurs reprises, que tout pifot parti qui signe le protocole d'accord a été rencontré. Et ils ont commencé à rencontrer moun à partir du 10 encore, ils ont réactivé, ils ont dit qu'il faut jouer une solution inclusive à la crise. Donc nous-mêmes, nous travaillons. Et pendant que je prends coup, 30 janvier, pendant que je prends coup, 5 juin, parce que les deux accords sur lesquels j'ai travaillé avec beaucoup de vigueur ont été torpillés et violés par des uns et des autres. Je prends accord 5 juin,
nous même dans tête non nous nettoyer accord là nous garder qui problème qui était fait 5 juin pas applicable ou bien pas appliqué mais c'est applicable et nous dit nous pas le font l'autre proposition nous même dans tête nous travailler et nous longer proposition nous en bas société civile là nous dit nous même nous pas le rechiner dans radio parle en pile on propose comme d'habitude nous avons proposé une version améliorée de l'accord de 5 juin qui a été signé par la DIPOD FND Mabrablel et Opération Tête Ensemble MTV en avant. C'est même barre là que d'améliorer nous remettions et à notre grande satisfaction, ces mêmes documents, dans notre partie gouvernance, c'est solution de travail parce que et son document de 16 pages liées, première page là c'est déclaration de principe, deuxième page c'est considérant, et puis donc nous même nous travaillons sur page 3 et page 4 qui était titre 2, la gouvernance. Et pratiquement tout ça nous dit, hein, c'est lui qui respecte, nous qui venons à CNT, nous qui venons à OCT, mal, bon, on a rentré le document. Non, alors, après, oui, entre temps, pendant que le document ça va le publier, dimanche après-midi, je reçois un document qui s'appelle Cadre d'un accord politique pour une gouvernance stable et apaisée. Je recevoir le dimanche 29 août à midi 48, donc 12h48 PM. Non, ça c'est des amis moi gagne dans DIPOD et dans tout l'autre groupe là. Je me travaille avec eux, moi pas gagne en quel côté politique moi même. Le voile pour moi Lille et pour me baim cap dit moi son correspondance qui est adressée à docteur Ariel Henry. Premier ministre ancien bureau monsieur le premier ministre, il a proposé un document de 6 pages très bien écrit, très bien écrit. Mais femme dit population document ça c'est une réponse à une proposition d'accord que Ariel Henry fait population pour le dire même dans le besoin exécutif monocéphale il reste premier ministre et je prends le soin de dire une proposition d'accord parce que personne pas signé sauf Ariel Henry qui signé mais on ne signe pas un accord avec soi-même donc l'accord original d'Ariel Henry tombe avec un 2 octobre là pendant que l'accord proprement dit il tombait parce que Ariel Henry violait deux Ariel Henry font proposition d'accord qui tombait puisque personne pas signé. Donc, non, il y a des gens qui signent. Personne ne signe. Et comment il s'appelle le député? Non, la proposition, la proposition d'Ariel tombe. Non, il y a un monocéphale. Non, non, il y a un document et soumis par le premier ministre Ariel Henry à certains partis politiques. Le parti de l'an et du député, de l'ancien député de Tolbert a signé. Ensemble nous fort. Ensemble nous fort. Donc seul monde qui non, je te donne un exemple par contre combien l'autre monde qui signe mais Tolbert m'a appelé pour me dire qu'il a signé. Il a signé quoi? Il y a aussi une force de non alors ouais émission ça les grandes qualités didactiques à donner pour éviter toute confusion. Ils font proposition qui pas adopté qui pas adapté adopté par en tout cas ou même pas une signature pas un document ça la preuve littéralement pas adopté, li écrit parti politique on dit on font l'autre bagarre ensemble, ils font proposition et on fait une contre proposition. Ça c'est deuxième version peine qui fait une proposition, yo dit yo même c'est dans bicéphale yo toujours, yo nan Joseph Lambert président, yo nan Ariel Henry premier ministre. Cette proposition signée le 28 août, le samedi 28 août mais moi c'est le 29 même. N'est pas encore signé ni par Ariel Henry, ni par Joseph Lambert qui l'a. Donc ça reste et demeure une proposition d'accord. On est là, si bon 200 moun qui voulaient venir signer accord ça, on les attend. Oui. Mais on n'a pas fait promotion pour accord ça, parce que même pas la donne. Mais moi-même, je reconnais que y a des gens qui approprient de l'accord. On dit accord, bon. Est-ce que non, bien écrit, bien charpenté. Mais écoutez. Ça c'est la forme. C'est la forme. Comme si exécutif monocéphale, là, c'est le problème. Là. Non, premier problème, c'est au exécutif monocéphale que toute nation rejeté, pas de monde qui peut le remettre Ariel Henry pays. Pourquoi dit d'ailleurs Ariel, c'est un usurpateur de titre. Où dit toute nation oui, c'est sur quelle base? Et puis, faut pas de sondage qui fait, oui. Même beaucoup de temps personnes dans la radio à part Ariel. Même moun ki nan cabinet yo, même moun ki nan ministère yo là, mbo ko tande youn au moins. Mwen fè ka mande 18 ministres yo, pran micro pou di nou vle monocéphale, même ça mbo ko tande. Même ça. Donc, si gen moun ki d'avis contraire, mdan moun peut-être de me vin la kon invité. Vin fè. Est-ce que c'est Ariel qui vle monocéphale là ou bien ce que tu as appelé tout à l'heure
les syndicalistes internationaux qui ont demandé à Ariel de d'avoir ce profil. Et je ne sais pas, j'ai jamais rencontré le corps groupe. Par contre, j'ai rencontré l'ambassadeur Foot qui a été très clair. Ambassadeur Foot a dit ceci en présence de mon ami Jerry Tardieu, de mon ami Manasoui et de Marie-Denise Claude. C'était nous quatre, nous apprenons pas groupe de quatre. Foot a dit quoi? Je dis, ils ont trompé souvent sur Haïti. Fois ça, les Américains, papa de corps groupe, vont prendre le temps nécessaire pour bien faire. Il dit, si nous boussons, si on courit, font bagaille cosmétique encore, nous pas le même résultat. Monsieur dit, Lila, pas pour dire nous ça pour nous faire. Il a pour le temps. D'ailleurs, nous avons une réunion 9h, 10h avec. Le 10h, je dis, on continue pour 10h15. Le 10h15, je dis, bon, mettez pour 10h30. Le nous allons nous sortir à 11h-10. Tellement il voulait écouter. On aime voler bien en pile. Non, pas en pile. Mais, je me demande pour m'expliquer. Étape par étape, sa société civile a voulu faire à travers Akola. Ce que j'ai expliqué, elle prend note. Et je dis, mais ouais, clair, il comprend ça qu'a fait là. Mm-hmm. Et je dis lui-même, il veut un accord inter-haïtien, société civile, politique. Je dis, nous prenons le temps qu'il faut pour bien faire. Et là, plus loin, il dit lui-même, le banan, pote boue, élection, élection. Si nous faisons élection, pote boue, nous parlons même bagarre là l'année prochaine. Il dit, messieurs et dames, prenons le temps qu'il faut. C'est ce qu'on fait là. Un petit peu. Je bien comprendre ce que je dis là. Mais, président, même. Donc, c'est rien de personnel pour non, Ariel. Non, c'est analyse. Non, okay. Pas analyse, mais dans la dimension ça là. Non, l'autre niveau. L'homme temps de Steven, donc, Ariel n'a pas même besoin de démissionner. Il suffit que les secteurs politiques et la société civile soient prêts pour peaufiner un accord, une entente nationale, un compromis historique. Et les Américains, pour dire clairement, le moment est arrivé. Donc, pourquoi bousculer Ariel Henry aujourd'hui de pour demander pour l'aller? Ou pas qu'on peut se demander pour aller fin régler question hein? Et puis Ariel pour aller automatiquement, président. Écoutez, il y a deux trois remarques dans la MFR. Première remarque que dans la MFR, une remarque sur question constitution en lui-même. Pas qu'à quitter passé ça inaperçu. Steven est toujours en position ça. Il n'est pas à son coup d'essai. Et à chaque fois, il devait répéter. Il a toujours une position par rapport au juge. Procédure qui était utilisée, qui était viciée, et autres, etc. Que personnellement, j'ai reconnu aussi pour Mme Koch. Parce qu'elle a été choisie sur une même liste de trois pendant qu'elle a été choisie, il y a un monde déjà dans la liste. Voilà. Tu sais. Mais elle n'est pas la seule, président. Je pense ça comme exemple. Parce que Mbavle, dans cette conjoncture difficile, loin d'essayer de rassembler. Et vous et ne faites que diviser. Vous ne faites que diviser. Mais ce qui est certain, Steven, par rapport à faiblesse institutionnelle. Par rapport au fait, lorsque nous posons acte, on ne parle pas de monde qui est suffisamment courageux, qui est capable non seulement de répliquer, mais agir, sanctionner dans le niveau qu'on doit sanctionner. Lorsque le président commet un acte, il faut que la Chambre des députés, à laquelle vous êtes appartenu, et moi-même, que je suis tout, il faut que tu aies le courage pour faire mise en accusation. Il faut que tu aies des députés qui sont conscients qu'il y a eu violation de la Constitution et puis qui acceptent acte de décision. Hein? Et puis pour que la route coup de justice tranche et puis vous créez exemple. Président. Il n'y a pas de monde qui est suffisamment courageux qui peut faire ça. Il faut qu'on retourne à la base pour dire profil ça que peuple là-bas nous
comme sénateur, comme député, est-ce que je ne veux dire à nous pas d'arriver dans le carrefour pour nous questionner? Est-ce que nous pas d'arriver à côté tout pour nous dire que dans le budget national, il y a une rubrique pour mettre pour elle-même faire éducation civique, politique, population ça? Pour la prendre orienter choix. Et ça fait capable aux États-Unis, un sénateur capable de faire 30 ans au pouvoir, ou un député était le fait 35 ans. Mais ici, on change sénateur avec député dans la chemise. Et chaque 4 ans, l'équipe vient, etc. Bon, peut-être nous sommes capables de rare. Je dis bien, il y a un rare politicien qui était pendant longtemps, avec, bien sûr, avec des hauts et des bas. Ah, oui. Ou gagné, ou perdu, ou gagné, ou perdu. Et c'est ça qui fait que je ne veux dire, ça nous devons reconnaître, c'est que pendant que vous ne reconnaissez pas l'acte là, qui vicié à la base, ceci dans la procédure, là, mais ça ne pas t'empêcher que le publier, ça ne pas t'empêcher que nous élus sous lui. Ça veut dire dans l'illégalité, ça veut dire que le bon grain est sorti. Exact. Où est le souli? Et de la même façon que je vous dis, si nous faisons parallèle entre constitution ou pas, je suis d'accord ensemble avec la façon que l'était faite là et autres, etc. Ariel est là. Ariel a été nommé par le président de la République. Non, il y a le Jovenel d'abord. Non, bon, non, m'a parlé de Ariel, oui, Ariel. Directement. Moi, que opposition reconnaît que mandat fini depuis le 7 janvier 2020. Mais qui nommait Ariel après date là. Et puis voilà que Ariel, malgré le président mouri, Ariel arrivé quand même premier ministre. Ce n'est pas même institution nationale qui mettait Ariel. Son tweet. Un tweet aurait bien pu aussi faciliter mon entrée au palais national. Oh. Et c'est ça que m'en déjeuné, je veux dire. Qu'il y a lieu aujourd'hui. Que pas de personne qui batte l'estomac, puis que messieurs, dames, peine qui batte l'estomac pour dire à nous-mêmes seuls, on peut imposer et Joseph Lambert comme président et X comme premier ministre. Faut que groupe société civile là tout. Donc est-ce que là c'est un appel ou un fast Steven? Faut que groupe société civile là tout, pas quoi que les mêmes seuls capables là pour dire bon voilà, nous allons engager pour. Ou va le faire même bagarre équipe et même bagarre la risque arriver et m'a dit le Sénat comme institution légitime constitutionnelle même amputé de toute saleté mais rester quand même une certaine légitimité adopter une résolution à la majorité pour désigner un CPR pour combler le vide sans passer à date. Il n'y a pas qu'à appliquer. Peine renforcée de super. Encore nous là. Et pas résolution nous. Hein? Ni protocole d'entente là. Qui mettait Ariel. Qui facilitait. Sam Décarélé. Et installation Ariel. Et je dis encore. La société civile. Faut que me dire, ils font un travail excellent. Excellent, extraordinaire. Avec, ils prennent le temps, ils consultent moun, ils parlent à moun, ils bagaillent comme ça, etc. Avec moi-même qui gagne des réserves là-dedans, mais des réserves mineures. Je pas qu'à entrer dans quelle procédure que me considérer que procédure là, que les dés sont pipés à la base. Les mécanismes de choix. Ou bien de désignation même mon problème avec elle. Est-ce que ça veut dire, on va en venir. Est-ce que ça veut dire président du Sénat de la République, hein?
Est-ce que ça veut dire pas que ouais. Est-ce que ça veut dire pas non, 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 pas uniquement du Sénat de la République. Je suis un président désigné par le Sénat aussi. Oui. Alors passons, c'est pour oui, blaguer. Oui. Ça me le dit. Ah, il saisit. Non, non, ça me le dit. Non, très sérieux, non, ça m'a fait. Oui, oui. Ça me le dit. Est-ce que si dans le document Steven Guéla, il prévoit un mécanisme pour mettre un président, si vous pas mis tout la donne, vous pas arriver à tel objectif. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire là? Pas vraiment. Vous n'avez pas bail pour me dire, c'est que je n'ai pas une obsession démesurée pour que inévitablement on ait un Joseph Lambert président provisoire. C'est pas ça qu'il y avait comme perception dès le départ, hein? Parce que tu es tellement. Les balles à fait fait. En pile, on a posé aux questions, il n'y a pas de reconnaître Joseph Lambert parce qu'il dit qu'est-ce pour qui ça? Animal, ça que nous connaissons, il profite, il utilise tête comme ça. Si la perception sorti aujourd'hui, il va bien avant. Permettre que je me retourne, Gary. Vas-y. Combien d'élus gagnent dans le pays aujourd'hui? Il y a 10 sous plus de 6 000. Est-ce que je suis légitime? Personne ne va nier légitimité. Et je suis légitimité. À partir d'une élection que m'allait au suffrage universel direct, le peuple m'a voté. Je descends dans le Sénat. L'ensemble des sénateurs de la République au niveau national m'a voté aussi comme président du Sénat. Et ce qui reste du Sénat, au niveau national, m'a voté aussi comme président provisoire. Appuyé par une frange importante de la classe politique et de la société civile. Cela voudrait dire que, juste au moment où on a parlé là, je peux être perçu comme la personnalité la plus apte ou la plus appropriée si on veut rester dans un cadre institutionnel. C'est la personnalité qui est appropriée à devenir président de la République. Je vais te répondre à la question. La question. M'a dit non. Mais m'a toujours encouragé que je n'ai jamais dit à un stade qui débat que le PEN associé avec la société civile pour que une fois pour toutes eh bien, nous capables de décider de avenir ça ensemble. Pourquoi? Peine à lui-même tout seul, pas qu'à régler question. Société civile là, lui-même tout seul, pas qu'à régler question. Mais si bien, quand est-ce qu'on va ajouter cette passerelle? Bon, moi, je suis toujours pour de bonnes passerelles. J'ai bien dit pour de bonnes passerelles. C'est-à-dire? Mais avant, je vais faire une petite correction, parce qu'on est universitaire, attendez. Et il y a un monde qui a 28 ans, qui a 17 ans, et le ça, nous prêter serment sous constitution 87, nous amendé en avril 2011. Gagot l'a fait dans la nuit du 12, 13, 14 mai 2011. Donc, nous prêter serment 15 jours avant Gagot constitution faite. Donc, nous devons dire mal l'élection, nous gagné sans contestation. Nous prêter serment sous constitution 87, nous amendé. Gagot l'a fait 15 jours après nous prêter serment. Nous devons clarifier ça. Non, mais il faut clarifier notre bagaille. Et ça, ça veut dire ça? Ça fait ça avec une nuance. Parce que j'ai un étudiant capitaine de. Oui, capitaine de tout. Capitaine de tout. C'est-à-dire? Et c'est là où la nuance. La nuance politique, la subtilité politique qu'il y a dans tout ça. C'est que 15 jours après, on a modifié la Constitution. Mais 4, 5 ans après modification constitution, vous continuez à siéger comme sénateur et à poser des actes sur la constitution. Sur la constitution amendée et à voter sur cette constitution amendée. Alors, et c'est cette subtilité oui, qu'il alors, y a. Pour ma défense, et président, tout à l'heure, vous dites deux bagailles, même trois actes, même poser qui pas des actes, ce n'est pas des propositions de loi ou de loi, mais il y a trois actes posés. J'arrive au Parlement en 2006, je me demande, bon, moi, qui
confirmer la présence de la ministre en Haïti. La nouvelle.